Eh bien salut tout le monde, c'est Sloki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément on se retrouve pour le premier épisode vraiment voyage avec la Tipovan. Et ça y est, je suis parti. Alors je vous ai épargné les 5 heures de route pour arriver jusqu'ici, mais je suis arrivé sur mon premier spot. Et ouais, c'est plutôt sympa, on est on est le long du Cher là, parce que je me dirige en fait vers l'Auvergne. Et là on est le long du Cher pour ce soir, tranquillement, petite rivière. Plutôt cool, mais en tout cas c'est cool. Du coup on va tout de suite commencer à attaquer l'installation du camp, tout ça, parce que on vient d'arriver, il est du coup presque 19h et du coup faut aller vite, parce qu'après une fois qu'il fait nuit c'est un peu plus compliqué. Voilà. Bon les amis, du coup là j'ai pas mal avancé sur la voiture, j'ai préparé la douche, c'est en train de chauffer ici là. Et puis voilà, donc là j'ai mis tous les pare-soleil, comme ça je pourrais aller me changer plus tard et prendre la douche. On va attendre que ça chauffe encore un peu. Je pense pas que je vais avoir une eau très très chaude du fait que je suis arrivé un peu tard. Mais en attendant, on va essayer d'aller voir un peu cette rivière là. C'est un peu... c'est complexe pour descendre. Je vais me viander, tu vois, je vais tomber dans un trou. Mais là, on va plus me voir là. Je suis sous les herbes. Et après, t'es à moitié en l'eau, quoi. C'est un marécage, quoi. Ouais, en fait, c'est bien d'ici, hein. On va pas aller plus loin. Parce qu'en fait, regardez, genre en bas. Si je mets le pied après là, finons le trou, quoi. Bon, voilà. C'est sympa quand même. Il y a pire comme endroit pour dormir. Bon, voilà. Donc là, il est. Ouais, bientôt 19h30. Donc ça va, niveau timing, on est bon. On prend la douche, on mange. Et puis il sera facile 20h30, 21h, voilà, et puis après dodo, parce que demain on repart tôt pour continuer le voyage et avancer, voilà quoi. Bon, je crois que l'heure fatidique de la douche est arrivée, du coup c'est parti. Je pense qu'elle va être un peu froide, mais ça va, au moins ça va rafraîchir parce qu'il fait quand même chaud, il fait 30 degrés encore alors qu'il est 20h, donc ça va faire du bien je pense. Bon, au final ça fait du bien de prendre une douche quand même, ça rafraîchit hein. Et puis en fait elle était pas froide, c'est cool. Mais de se rafraîchir par rapport à la chaleur. Donc bien évidemment pour la douche hein, du savon biodégradable, donc savon d'Alep, comme ça pour la nature, et il n'y a pas de problème. Et puis c'est franchement économique hein. Je me suis douché avec 4 litres d'eau. Ça va. Bon ça y est, tout est prêt. J'ai même préparé le couchage là, tout est fait. Tout est préparé pour aller se coucher, mais là on va pas se coucher parce qu'il est beaucoup trop tôt. En fait j'ai beaucoup trop mal timé, j'ai fini de manger, j'ai fini ma douche, j'ai tout installé, il est même pas 20h30. Du coup on va aller se promener un peu. Par contre un move que j'ai mal géré, c'est l'anti-moustique, parce que je suis où? Oui, je suis à côté d'une rivière, du coup il y a des moustiques quoi. Donc je commence déjà à me faire attaquer, je vais voir ce que ça donne. Bah, si je me fais trop défoncer, je vais rentrer. Mais je vais aller me promener. Je pense qu'il y a des bades à faire le long du Cher. On va voir tout ça tranquillement. Et puis voilà quoi. Je suis trop dégoûté. Parce qu'en fait, là où je suis, c'est le premier spot où je voulais me mettre. En fait, regardez qui est juste là. Et juste derrière, en fait, vous avez pareil le Cher. Mais quand je suis arrivé, il y avait un camping-car, deux voitures et tout. Du coup, j'ai fait c'est mort quoi. Ils étaient vraiment au bord, donc moi j'allais me retrouver dans le chemin là, c'était pas ouf au niveau vue. Mais du coup, en fait, je pourrais presque revenir. J'ai un peu la flemme quand je suis installé là-bas quoi. Tu poses ta voiture ici et puis paf. Ah, les moustiques quoi. Et puis paf, t'as direct l'eau qui est là. Il y a même une plage. Ah ouais! Ah c'est... Bienvenue à la plage quoi. Par contre, il y a des moustiques de partout. Arrêtez de m'attaquer. Bon on va bouger parce que là par contre c'est... Il y a des moustiques vraiment partout.
Bon, ça y est, moi je suis au lit, prêt à dormir. Bon, le seul truc que j'avais peur, c'est effectivement qu'il fasse un peu chaud. Et ouais, la chaleur, ça va être tendax. Je vois comment je vais gérer parce qu'en fait, je peux pas ouvrir. Je peux même pas ouvrir les portes ou autre parce qu'il y a des moustiques. Dehors, c'est la guerre. Je me fais déboîter ma race. Donc voilà, on va voir comment on va gérer la nuit. Et puis voilà quoi. Bon, du coup, les amis, bonne nuit et puis à demain! J'ai ensuite fini de tout remballer et puis j'ai pris la route pour me diriger vers Vichy. Bon, du coup, premier arrêt, on découvre des petites choses sympas. Donc là, un petit château médiéval derrière moi abandonné. Donc on est sur Hérisson. Ouais, c'est ça, Hérisson. Ça m'a fait rire leur phrase, leur petit slogan, c'est qui s'y frotte s'y pique, c'était plutôt drôle. Voilà. Bon, les amis, arrivé à Vichy, du coup, on va visiter un peu la ville. De ce que j'ai vu, des trucs plutôt sympas à voir. On va aller voir tout ça, donc c'est parti. Bon les amis, on commence à aller vers le Mont d'Or, mais là il y a beaucoup de vent, on commence à voir on voit le Puy de Dôme derrière, mais là je sais pas si vous entendez quelque chose. Du coup on se retrouve là-haut. Bon les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pourrez voir l'Auvergne donc en plus ample détail dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Car justement j'ai un peu séparé les choses pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, sur ce on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Sloki, peace.